Hey, je me présente, je m'appelle Selina et je suis une nouvelle commentatrice de la team Obscur Clan. Pour ma première vidéo, je vais vous parler de l'Overboard, mais avant de commencer, je vais tout simplement vous présenter le gameplay. Donc on est sur Black Ops 2 pour un 108 Gun Streak sur la map Overflow et c'est joué par Nazer. Lorsque je vous parle de l'Overboard, vous dites sûrement une planche qui vole, qui flotte sur l'eau, comme dans Retour vers le futur. Eh bien non, l'Overboard c'est le petit joujou en ce moment vendu partout qui a été créé dans une usine en Chine. Donc certains l'appelleront le skateboard électrique, mais en réalité c'est tout simplement une self-balancing board, une planche auto-équilibrante. En gros, elle avancera selon la pression de vos pieds et de votre corps bien sûr. Elle a également deux ampoules LED qui s'allument en bleu à la pression des pieds. Donc pour avancer, il suffit de se pencher et mettre de la pression vers l'avant, et si vous faites pareil vers l'arrière, vous reculez. Pour le carton, il sera composé de l'overboard, d'un chargeur prise européenne et d'un manuel d'utilisation. Pour les caractéristiques, il avance entre 15 et 20 km/h, ça dépend vraiment de la pression des pieds et du poids de la personne qui est dessus. Il pèse très très lourd, franchement je ne m'y attendais pas du tout, j'aurais dit entre 15 et 20 kg pour son poids, ce qui n'est pas très pratique pour le transporter. Alors est-ce que ce serait le cadeau de Noël 2015-2016? C'est la question. Eh bien ça dépend vraiment car le prix n'est pas non plus donné. Il peut coûter entre 290€ et 1000€. Oui, 1000€, c'est super cher pour ce que c'est. Mais je vais vous citer l'information que le youtubeur IQU a fuité sur l'Overboard, une information qui prouve que c'est une très grosse arnaque. Tout Overboard vendu pour 300€, 700€ et même 1000€ sont tous les mêmes. En réalité, ils proviennent tous de la même usine en Chine et plusieurs marques américaines, françaises et d'autres pays commandent les Overboard à cette usine et mettent leur propre prix de vente. En gros, je récapitule, tous les Overboard que vous trouverez sont les mêmes, peu importe le prix. Si on prend les Overboard d'Amazon à 300€ et les Overboard de Monorover à 500€, eh bien oui, ce sont exactement les mêmes. Donc on peut dire que c'est une très grosse arnaque à éviter. Personnellement, je vous conseillerais vraiment, si vous voulez en acheter un, de prendre sur Amazon ou Cdiscount, c'est vraiment les moins chers. Donc j'ai pu faire l'achat d'un Overboard très récemment, il est temps que je vous dise mon avis sur ses défauts et qualités. Son premier défaut pour moi, c'est la qualité du produit, puisque l'Overboard est très fragile et lorsqu'on tombe, il se raye très facilement au béton. Je suis pas non plus très satisfaite de l'option que l'Overboard a de tourner sur lui-même, puisque c'est lorsqu'il fait ses petites roulades, on va dire, qu'il se raye par terre. Donc vraiment déçu par ça. Mais par la suite, je ne lui reproche que des qualités. L'autonomie par exemple, elle m'a été efficace 5 heures, donc toute une après-midi, pour un chargement de 2 heures seulement. C'est une très grosse opportunité qu'a l'Overboard. En gros, vous pouvez le charger par exemple 2 heures le matin pour avoir une utilisation de toute une après-midi, c'est vraiment super. Donc il y a également le limitateur de vitesse qui nous empêche de tomber, on va dire, quand on va trop vite ou qu'on descend une pente. Donc pareil, c'est une très grosse qualité. Donc pour moi, c'est vraiment le jouet du futur à acheter pour Noël, car ça peut vraiment servir à tout le monde. On s'y habitue très vite, vraiment pour monter, il suffit juste de mettre son pied le plus à l'aise. Puis, dès que vous vous sentez prêt, le deuxième pied. C'est un peu comme le vélo, ça s'oublie pas vraiment. Et puis pour un prix tout de même raisonnable si vous le payez, comme je l'ai déjà expliqué, sur des sites où ils le vendent pas très cher. En plus de ça, on peut s'en servir vraiment pour tout et ça peut également servir à tout le monde. Bon, vous, ça vous dit rien de faire vos courses super rapidement avec cet engin? Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai donné davantage d'informations sur l'Overboard, qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à plus tout le monde et à la prochaine. C'était Selina.